Entrée numéro 1 datée du 122e jour de l'an 2068 de Vetrem. Localisée sur Jotown 2. Anciennement nommée I-Colonne. Je viens de débarquer sur Jotown 2. Aussi loin dont je peux me souvenir, enfin de tout ce que m'a appris Soren en son temps, cette colonie minière avait pour nom I-Colonne E. Tout comme chaque colonie de la FH d'ailleurs qui se privatisait dans un secteur précis. En réalité, ce n'est plus vraiment une colonie minière. Étant donné que Yamentis Colore, l'actuel souverain de la FH4, a mis en marche une politique de démantèlement de plusieurs colonies à travers toute la constellation il y a de ça plusieurs années. On en voit les conséquences. Du coup, cette colonie minière qui n'en est plus une a adopté le nom de Jotown 2. Je ne sais pas d'où vient cette appellation d'ailleurs. Tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que cette colonie est sur le déclin. Je peux le constater. Les différents minerais extraits dans le passé ne sont plus exploités et les machines tournent au ralenti, ou ne tournent même plus pour certaines. C'est toujours comme ça durant les périodes de transition. Il y a une période de flottement, morne et ennuyante, où l'activité d'une colonie est ralentie et sa population aussi. Sauf que sur Jotown 2, l'ambiance est bien particulière. J'ai atterri il y a à peine 2 jours, et j'ai déjà vu suffisamment de choses pour me convaincre que je ne reviendrai jamais sur cette colonie, pour une autre raison que pour celle dont je suis ici en ce moment. Les habitants sont contraints de quitter leur foyer. Les milices à la botte de la FH font le sale boulot du souverain. Ce matin même, ces enflures se sont servis de leur dispositif C et D parce que des familles refusaient de partir. C'était très étrange. Quand on regarde autour de soi, on se demande ce qui retient ces gens. Ce doit être la colonie la plus meurtrie au sein de la constellation. Les conditions de vie sont infâmes et le fait que le souverain démantèle l'endroit, ça le rend encore plus miséreux qu'il ne l'était. Enfin, à vrai dire, Colerion étant actuellement en ruine, Jotown 2 est peut-être pas si pitoyable que ça. Mais il n'y a pas que le démantèlement qui rend l'endroit aussi glauque. Dès que j'ai débarqué ici, on m'a averti qu'une maladie d'origine inconnue avait été diagnostiquée chez certains jeunes de la colonie et que des mesures de confinement étaient mises en place pour éviter une potentielle propagation de la maladie. Il y a des tentes et des centres de confinement un peu partout, ce qui rend le paysage très étrange et décourageant. Apparemment, la maladie conduit directement à la mort. Il n'y a actuellement aucun remède. Mais ce qui est le plus flippant, c'est que cette maladie n'est apparue que récemment sur la colonie. Les générations passées ne furent pas infectées et seules les jeunes générations seraient atteintes. Une maladie qui apparaît sur une colonie alors que celle-ci est en place depuis des décennies et qu'en plus, qu'elle ne touche qu'une seule partie de la population, ça n'augure vraiment rien de bon. C'est comme si tout cela était prémédité. Je veux pas la jouer conspirationniste, mais ça mâche le boulot du souverain, cette histoire de maladie inconnue. Et comme par hasard, elle apparaît lorsque ce dernier décide de démanteler la colonie. Bref, tout ça pour dire que je ne m'éterniserai pas longtemps, et rien ne m'y encourage. Mais pour le moment, je suis coincé, bloqué, en panne. Quoique, dans un sens, le fait que mon vaisseau soit en panne n'est peut-être pas forcément un mal. Si je trouve ce que je suis venu chercher, enfin devrais-je dire celui que je suis venu chercher, j'aurai rempli ma mission. Je veux juste pas m'éterniser ici. Venons-en au fait. Wallace Tebari, fumier de traître. Il est le dernier responsable de la chute de Colerion et de sa ruine. Si je suis sur Jota à l'heure actuelle, c'est pour retrouver ce parjure d'assassin. Ma dernière piste m'a amené ici, mais ce lâche a utilisé un faux nom pour me semer. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était sur la station de médiation WV7, à proximité de Wizen. Ce crevard avait saboté le système de filtration de l'air pour profiter de prendre la fuite. Ça m'avait retardé, mais ça ne m'a pas empêché de continuer de le traquer. Mais malheureusement, entre-temps, il a changé d'identité. Si je suis convaincu de sa présence sur Jotown 2, c'est parce que j'ai un contact au sein de l'AFH posté dans le service des communications qui intercepte les rapports de l'AFH concernant les affaires des autres planètes. Mon contact me transmet certains de ces rapports et il s'avère que l'AFH a suivi de loin les révoltes colériennes et sa fin tragique et qu'elle ne lésine pas sur ses fiches de renseignement. Ce qui lui permet d'avoir quelques infos sur Wallace Tebari qui a infiltré la Révolution pour la tuer de l'intérieur. Bref, la FH a des infos sur Tebari et grâce à un contact, j'ai accès à ces infos. Ça me permet de le traquer. En vrai, je fais pas confiance à la FH. De ce que je sais, ils n'ont même pas levé le petit doigt pendant que mon peuple se faisait massacrer sur Colerion par les milices engagées.
Et la FH aura beau prétexter ce qu'elle voudra, elle reste pas neutre face à ce genre de situation sur une de ses colonies. Je serais pas étonné d'apprendre que la FH en a tiré des bénéfices d'une quelconque manière pour avoir fermé les yeux là-dessus. Et le nouveau souverain, sous ses airs de type souciant, n'en demeure pas moins qu'un souverain qui a la main mise sur toute la constellation et tous les intérêts qui s'ensuivent. Bref, tous des enflures. Entrée numéro 13, datée du 122e jour de l'an 2068 de Vetrem. Localisée sur Jotown 2, anciennement nommée I-Colonne. Je pense avoir localisé mon contact. Je me demande juste encore comment je vais l'aborder. Hey, salut, moi c'est Maz, tu sais, le contact de la FH. Bon, à vrai dire, je suis pas vraiment de la FH, parce que ce qu'il y a de bien avec elle, c'est que t'as pas à rencontrer ses responsables pour être embauché. Sans même montrer ta tête, tu peux bosser pour eux et sur leurs équipements. Il suffit juste de savoir comment falsifier son identité. Et c'est pas très compliqué de le faire. Avec les modes opératoires de recrutement de la FH qui changent tout le temps, tu peux bosser pour eux sans souci. Bon, faut dire qu'ils ont besoin d'un max de monde pour bosser sur leurs équipements et faire en sorte qu'ils restent crédibles, alors ils embauchent à tour de bras. Je suis sûr qu'il y a d'autres pirates comme moi qui bossent incognito pour la FH. Sauf que, contrairement à moi, ils savent pas forcément décrypter les codes de sécurité des dossiers de la FH. Parce que là-dessus, waouh, ils font vraiment fort. À chaque fois, c'est un nouveau challenge. Mais moi, ça me fait pas peur. Donc voilà comment j'ai eu accès à des données intéressantes concernant le type que tu recherches. Au fait, je sais pas si je me suis présenté. Moi, c'est Maz. Ouais, non. Ça craint comme approche. Fais chier. J'ai jamais été doué pour le contact réel. Attends, c'est un stencer qu'elle a? Oui, c'est un stencer. Parfait. Ça sera pas compliqué. La chance que j'ai! Il me suffit juste de me mettre en réseau pour afficher son identifiant et de là, je pourrais craquer sa sécurité et directement communiquer avec elle. Hop, je contourne le routeur pour rester anonyme, comme toujours. Là, je suis sur son identifiant. Un petit tour de passe-passe à la sécurité et toc! Allô? Je sais que tu m'entends. Comment vous arrivez à parler à travers mon stencer? Je n'ai autorisé aucune communication. Qui êtes-vous d'ailleurs? Comment? Bah parce que j'ai exactement le même modèle de communication que toi. Et que c'est pas compliqué de casser la sécurité d'un appareil qui fonctionne exactement pareil que celui qu'on utilise. Et puis franchement, les stencers, c'est pas compliqué à craquer. D'accord. Et je peux savoir qui vous êtes et pourquoi vous avez forcé la communication? Eh bien, à vrai dire, je me demandais comment j'allais aborder la conversation et... Vous êtes mon contact de la FH, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as deviné, je t'ai repéré il y a peu. Oh, vous êtes la personne au comptoir. Je crois que je vous ai reconnu, en train de parler à votre communicateur. Ah, oui, en effet. Bon, bah, j'ai pas le choix, va falloir qu'on parle face à face. Reste où tu es, je te rejoins. Ok, salut, tu peux m'appeler Maz, et si ça te dérange pas, je laisse allumer mon stencer pour enregistrer notre conversation. C'est juste pour mon rapport. Attendez, votre rapport? Pour la FH? Sachez que j'ai aucune confiance en vous, et que j'hésiterai pas à vous tuer si vous tentez de me doubler. Oula, on va mettre les choses au clair tout de suite, je ne suis pas vraiment de la FH. Ah, vraiment? Et vous êtes qui alors? Maz Deren, troisième pilote adjointe du SI Future 930, responsable des communications et du réseau du vaisseau. Mon poste à la FH est une couverture et aussi un bon moyen de copier des fichiers et des infos importantes de la FH pour notre petite troupe de pirates de l'espace. Et comment je suis censé vous croire au juste? En vrai, t'as pas à avoir ma confiance, du moins pas pour le moment. Si je te donne ce que j'ai sur celui que tu cherches, sur Wallace Tebari, je suis persuadé qu'on s'entendra bien. Ouais, c'est la raison de notre rendez-vous, non? Mais je me méfie quand même. Qu'est-ce que vous allez me demander en retour? Déjà, je vais te demander de me tutoyer. Ensuite, je vais te demander de collaborer avec moi. Collaborer? Je ne collabore pas avec des pirates qui se font passer pour des employés de la FH. T'as l'air d'avoir de beaux a priori, dis-moi. Toujours est-il que nos premiers échanges t'ont conduit jusqu'ici, sur Jotown 2, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai donné sa dernière localisation. Ça, je le sais grâce aux appareils de fichage de la FH. Par contre, en tant que membre pirate du SI Future 930, j'ai pour mission d'éliminer Wallace Tebari. Et c'est là qu'on va collaborer. Ah ouais, sérieusement? Tu veux buter cette enflure? Qu'est-ce qui t'a fait à toi? À moi, rien de personnel, mais il est affilié à un groupe que mon équipage et moi surveillons. Et les ordres du capitaine concernant Tebari sont clairs. Il veut sa mort.
Ok, tu m'intéresses. Mais tu sais que Tebari a changé d'identité. Alors, savoir qu'il est sur Jota, c'est bien gentil. Mais s'il a changé de nom, peut-être même de visage, je sais pas comment on va le retrouver. Il s'est peut-être même déjà tiré, d'ailleurs. Eh bien, comment te dire? Je sais sous quel nom Wallace Tebari s'est caché, et je sais surtout où il se trouve. Sérieux? Mais merde, pourquoi t'as pas craché le morceau plus tôt? Ça va faire des mois que je traque ce fumier. Tu sais pourquoi au moins je veux sa mort, hein? Toi, tu reçois des ordres de ton capitaine, mais moi, j'ai ma vengeance, j'ai ma justice. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je suis pas sur Jota que pour Tebari. T'es là pour quoi, alors? T'as dû remarquer que les choses sont bizarres sur Jota, non? Je veux dire, ouais, il y a le démantèlement et les milices de la FH qui font leur sale boulot, ouais. Mais il y a cette maladie étrange qui vient d'apparaître. C'est pas du hasard. Il y a quelque chose derrière. Quelque chose de concret. Et le capitaine a une petite idée là-dessus. Je suis en double mission, en quelque sorte. Je dois investiguer sur cette maladie et tuer Tebari. Et quelque chose me dit que si Tebari est sur Jota, c'est pas uniquement pour se cacher des événements de Colérion. Attends, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment t'en viens à la conclusion que Tebari aurait quelque chose à voir avec ce qu'il se passe ici sur Jota? Eh bah, je sais pas trop ce que tu sais de ton côté, mais voilà ce que moi je sais. On n'irait pas se cacher de crimes de guerre que l'AFH et que Yabentis tentent de punir sur une colonie en plein démantèlement et en pleine étude sur une nouvelle maladie où la milice de l'AFH et certains de ses plus hauts gestionnaires vont et viennent. L'AFH a gardé un œil complice sur ces révoltes colériennes et sur ses acteurs, sur Soren, le leader des révoltes, et sur Wallace Tebari, son assassin. L'AFH tente de mettre la main sur Tebari. Pour quelle raison, je ne sais pas exactement. Mais il fait partie des cibles que l'AFH traque. Alors, si je serais Tebari et que je voudrais fuir ce qui serait à mes trousses, certes, je changerais d'identité, mais j'irais pas me planquer là où l'AFH est active, non? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu parles de Tebari comme si c'était un vulgaire assassin qu'il faudrait juger. Mais il est responsable de la mort de mon oncle. Au-delà qu'il ait été le leader des révoltes colériennes, mon oncle, Soren, est celui qui m'a tout appris du monde extérieur. De l'AFH, de ses colonies, de son fonctionnement, de ses moyens, et surtout de son implication sur Colérion. L'AFH a conduit Colérion à la révolte, dont mon oncle a été la figure de proue. Et concernant Tebari, je l'ai un peu côtoyé. Il était toujours là, auprès de mon oncle, à chacune de ses interventions et des actions sur Colérion contre la répression de l'AFH. Tebari a été un allié, un proche, un ami de ma famille. Il nous a trahis. Il a trahi mon oncle, il a trahi ma famille, il a trahi mon peuple, il a trahi Colérion. Il est responsable de ce qui est arrivé. Il est le dernier responsable de sa chute et de sa ruine. Tout comme je suis le dernier représentant de Colérion et de son peuple aujourd'hui décimé. Je suis l'héritier de Colérion. Alors, je ne sais pas pourquoi ton capitaine veut tuer Tebari, et je ne sais pas ce qui t'amène à dire que Tebari aurait une affaire sur Jota et sur ce qui s'y passe. Mais même si tu veux le tuer, ça n'a pas d'autant d'importance que ça peut avoir pour moi. Eh bien, désolé. Désolé d'avoir sous-estimé la dimension que ça prenait pour toi. Je savais juste que tu venais de Colérion. Je me disais que t'en voulais à Tebari, comme plein d'autres personnes avant toi, pour tous les méfaits qu'il a pu faire aux quatre coins d'Ophiuchus. Mais pas à ce point. À vrai dire, peu de gens savent ce qu'il s'est passé sur Colérion. De l'extérieur, la FH a étouffé ce qu'il se passait. Elle a surtout cherché à ne pas se mouiller, car beaucoup trop de noms et d'organismes douteux étaient impliqués. Et si la FH intervenait, si Yabentis Colorey, qui voulait faire peau neuve, intervenait, ça ne lui aurait pas permis de rester longtemps au poste de souverain. On croit que le passé est enterré, mais ses acteurs sont encore présents et cherchent toujours à faire valoir leurs intérêts. Wallace Tebari est l'un d'entre eux. Colérion est aujourd'hui en ruine. C'est le résultat de tout le mal qui lui a été fait. Beaucoup sont responsables. Beaucoup sont morts inutilement, innocemment. Si j'avais à tuer tous ceux qui ont contribué à la chute de Colérion, je le ferais. Pour l'heure, il ne reste que Tebari. Ma mission est de l'éliminer. Son implication dans d'autres affaires ne me concerne pas, mais je suis solidaire avec toutes les victimes qu'il a pu laisser dans son sillage. Ouais, j'apprécie ta sollicitude. Écoute, je t'en dirai un peu plus quand j'aurai fini sur Jotaoun 2. Je te demande de venir avec moi ensuite sur le SI futur. Je n'ai rien à faire avec des pirates. Ma place est à Colérion. Hey, on n'est pas de mauvais gars. Et puis, sans vouloir t'offenser, t'as plus rien à faire sur Colérion. Pense à l'avenir. Pense à tous ceux qui pourraient subir ce que toi t'as subi sur Colérion. Bats-toi pour que ça n'arrive pas à d'autres. Ouais, je sais pas. En attendant, on a un truc à faire. Si tu me conduis jusqu'à Tebari, je te suivrai peut-être. On verra bien après.
Super, bon écoute, Debari a pris le nom de Quinlan. Il se fait passer pour un technicien de maintenance sur les machines de transport qui vont et viennent de la colonie jusqu'aux stations de l'AFH en orbite autour de Jotaun 2. S'il a choisi cette couverture, c'est pour avoir une porte de sortie. Il faudra faire vite. Si Debari nous repère, il filera avec un vaisseau de transport et on ne pourra pas le poursuivre avec l'AFH présente sur la colonie. D'accord, et qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, à bord de mon vaisseau T28, amarré un peu plus loin, là où les gars de l'AFH fourrent pas leurs pattes, j'ai un drone de reconnaissance de l'AFH que j'ai bidouillé. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer en reconnaissance là où se terre Tebari. Je suis persuadé que Tebari a fait en sorte que les drones de reconnaissance ne l'identifient pas pour qui il est réellement. C'est comme ça qu'il a dû se cacher aux yeux de l'AFH. Pour ça, il a dû changer d'apparence pour tromper les drones. Sauf que mon drone, lui, il reconnaît tout le monde comme étant Wallace Tebari. En d'autres termes, dès qu'il le scannera, il l'identifiera de son vrai nom. Ça fera strictement rien au drone, mais Tebari, lui, ne s'y attendra pas et on pourra l'identifier clairement de cette façon et le coincer. On va donc balancer le drone dans le centre de maintenance, là où Tebari se cache, et lorsque le drone scannera la zone, Tebari s'attendra à être reconnu sous le nom de Quinlan, alors que le drone, lui, balancera son vrai nom. Tu piges ? Je vois, ouais. Ingénieux. Tu vois, on a de la ressource chez les pirates du SI Future 930. Bon allez, ne traînons pas. Mais au fait, comment je t'appelle? Vienne. Appelle-moi Vienne. Ok, on est parti, madame. De quoi? Bah, on y va. Non mais, tu m'as appelé comment? Dame? Ouais, c'est quoi ça? C'est pas mon nom. Non mais, t'es une meuf, façon de parler, quoi. Une meuf? C'est quoi ça encore? Je m'appelle Vienne, et je suis l'héritier de Colérion. C'est ça, mon nom. Ouais, si tu veux. Bon allez, on y va, Vienne, l'héritier de Colérion. Ah merde, faut que je coupe le stencer. Message numéroté 003. Connexion. Bonjour, monsieur Tebari. Merde, faut que je pense à changer l'identité de cet enregistreur. Bon, il me reste pas beaucoup de temps de pause. Ce poste au centre de maintenance représente beaucoup trop de temps de travail. Il y avait mieux comme couverture. Bref. Alors, comme je l'ai déjà rapporté dans les deux premiers messages, la maladie sur la colonie, l'infection de Jota, comme ils disent, progresse plutôt bien. Plusieurs victimes ont déjà été déclarées. Ça a fonctionné. Le taux de mortalité chez les enfants est, aux dernières nouvelles, de 16%. C'est un peu plus de 300 enfants déclarés morts. Ça touche aussi un peu certains ados plus téméraires. La moitié des jeunes de la colonie a été diagnostiquée. Ce n'est plus qu'une question de temps. Coloré veut voir tous les habitants de Jota quitter la colonie, mais ils n'iront nulle part. Jota va mourir à petit feu. Déjà que les habitants rechignent à partir à cause de ce qu'ils ont dans leur gène, là, la FH n'est pas prête de rentabiliser son coup. Les voir se marcher dessus, c'est d'un plaisir sans nom. Coloré devra lâcher prise et on pourra reprendre notre activité sur la colonie. On sera la faction salvatrice. Aucune descendance ne se fera sur Jota sans notre intervention. L'AFH perd son temps et son argent à vouloir expatrier les habitants de la colonie. Il sera contraint, tôt ou tard, de plier bagage. Bien, ceci étant dit, je demande une permission pour les jours qui suivent. Je garderai un œil sur Jota, mais il faut pas que je reste trop au même endroit. Je suis poursuivi par Vienne. Ouais, toujours, ouais. J'ai pas encore eu le temps de lui tendre un piège. Je n'ai pu que ralentir sa traque. Je m'en occuperai, mais en attendant, il faut que je bouge. Mais cette fois-ci, m'envoyez pas cette brute de Kendrick Salomé. Merde. On sait qu'on doit rester discret et faire profil bas, hein. Comment ce con peut encore agir de la sorte? La dernière fois, il a presque grillé ma couverture. Si la FH me met la main dessus, je suis fini. Ils ont trop de trucs contre moi pour me laisser filer. Tiens, bah d'ailleurs, il y a un trône de reconnaissance qui se pointe. Je raccroche. Voilà, c'était Barry. Centrale.
ici Ranger 20. On nous signale un affrontement dans le centre de maintenance. Trois personnes seraient impliquées. Attendez, on signale des échanges de tirs au même endroit. Ici Central, autorisation d'intervenir au centre de maintenance, Ranger 20. Je répète, autorisation d'intervenir au centre de maintenance. Bien reçu Central, Ranger 20 terminé. Central, ici Ranger 20, envoyez une unité de soutien. Plusieurs échanges de tirs aux abords du centre de maintenance. Un individu est en fuite près des machines de transport, j'ai deux tireurs embusqués. Bien reçu Ranger 20, on vous envoie une unité. Unité 4, ici Central, ordre d'intervenir au centre de maintenance. Plusieurs échanges de tirs impliquant au moins trois individus. Je répète, ordre d'intervenir au centre de maintenance. Terminé. Ranger 45, bien reçu Central, je pars avec l'unité 4 au centre de maintenance. Terminé. Ceci est un message d'alarme à tous les employés du centre de maintenance. Veuillez quitter la zone et rejoindre le secteur adjacent. À tous les employés du centre de maintenance. Veuillez quitter la zone et rejoindre le secteur adjacent. Vous êtes en ligne. Merde, Harry, t'es passé où? Y'a eu des tirs à la maintenance. Y'a deux meufs qui ont ouvert le feu sur Quinlan, c'est dingue. Faut qu'on se rejoigne à la ZF. A tout de suite. Central, ici Ranger 45. Les trois individus ont atteint la zone d'amarrage 0022. On engage un assaut pour neutraliser les suspects, à vous. Bien reçu, Ranger 45. Gardez le contact. Terminé. Central, ici Ranger 45. Demande une équipe de secours au plus vite. J'ai deux blessés graves. Bien reçu, Ranger 45. On vous envoie une équipe médicale. Central, ici Ranger 45. Un module de transport vient de quitter la zone d'amarrage. Je répète, un module de transport a été volé. Ici Central, on nous signale qu'un module de transport a été volé sur le quai d'amarrage 0022. Demande d'activation des processus de barrière. Central terminé. Central, ici station orbitale Jotaun 2 Nord. Impossible d'activer les processus de barrière. Les codes sont momentanément indisponibles. Je répète Central, impossible d'activer les processus de barrière. Les codes sont momentanément indisponibles. Central, ici le lieutenant Cunningham. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Lieutenant, des échanges de tirs nous ont été rapportés au centre de maintenance et sur la zone d'amarrage 0022. L'unité 4 a été déployée, mais on déclare deux blessés. Une équipe médicale est en chemin. Un module de transport a également été volé. La station orbitale Nord ne dispose pas des codes pour bloquer l'appareil volé, monsieur. Et merde, on n'a pas une patrouille qu'on peut lancer? Je regrette, monsieur. Toutes les unités sont retenues au sol. L'appareil volé est sur le point de quitter la zone d'horizon. Il va sortir de nos radars. Il n'y a que la station orbitale qui puisse intervenir désormais. Inutile. Transmettez plutôt un message à la station orbitale qu'ils préviennent les stations de médiation voisines qu'un appareil a été volé et se trouve non loin de leur position. Cunningham terminé. Bien reçu, lieutenant. Je transmets. Central terminé. Entrée numéro 14, datée du 122e jour de l'an 2068 de Vetrem. Localisée sur Jotaun 2. Anciennement nommée Ecolone. Et merde, on a eu chaud là. C'est pas passé loin. Quel merdier. On a eu la chance qu'une nacelle se décroche sur les miliciens de la FH. Sans ça, ils nous seraient tombés dessus. Ouh, au moins on est sauf. Ça va chez toi, Vienne? Ouais, je sais, on a laissé filer tes barils. Mais vaut mieux ça que de se faire choper par les fâches, crois-moi. En plus, moi, avec ma fausse identité et mon emploi aux communications, j'ose pas imaginer ce que m'aurait réservé la FH. Ils auraient pu remonter à d'autres pirates, et même jusqu'à l'équipage du SI futur. Ouais, non, je sais qu'on a merdé. Ce niais sait se défendre. Mais t'inquiète pas, on lui mettra la main dessus. Quelque part où il n'aura pas l'occasion de s'échapper et où la FH n'aura pas déployé toutes ses troupes. En attendant, on va quitter Jota et se réfugier à bord du SI. T'inquiète pas, l'équipage est sympa, et ça permettra de balayer tes a priori sur les pirates. Et qui sait, peut-être qu'on te comptera dans nos rangs dans pas longtemps. On va mettre nos efforts en commun pour choper Tabari et toute sa clique de bolchos, crois-moi. On les fumera. Allez, on décolle. En route pour le SI futur.